La règle de 3, ou bien le produit en croix. 5 poules picorent 750 g de céréales par jour. Combien une poule picore-t-elle? Commençons par dessiner un cadre. Dans la première colonne, le tout, donc il y a 5 poules qui mangent 750 g de blé. Dans la deuxième colonne, la partie, on veut savoir combien une poule mange. Je regarde les nombres en diagonale et je les multiplie. 750 fois 1, donc ça nous fait 750. Et je vais le diviser par la donnée qu'il nous reste. Donc le nombre qui nous reste, c'est 5. Divisé par 5, ça nous fait 150. J'écris ma phrase réponse. Une poule picore 150 g de blé par jour. Dans notre classe, il y a 28 élèves. 13 mangent à la cantine. Quel est le pourcentage d'élèves mangeant à la cantine? Je fais ma colonne avec le tout, donc 28 élèves en tout. Et le pourcentage, ben, le maximum, c'est 100. Hein. La partie, donc je sais qu'il y a 13 élèves qui mangent à la cantine. Et je cherche le pourcentage d'élèves qui mangent à la cantine. On regarde les nombres en diagonale, 100 et 13, et on va les multiplier. 100 fois 13, ça nous fait 1300. On les divise par le nombre qui nous reste, 28, et on obtient 46,42. 46,42% des élèves mangent à la cantine. À toi de jouer. 4 melons coûtent 10 euros. Combien coûtent 7 melons? Dans ma première colonne, je mets donc le nombre de melons, 4 melons, et le prix en euros, coûte 10 euros. Dans la deuxième colonne, la partie, on cherche donc pour 7 melons, combien coûte 7 melons? C'est vrai que là, on pourrait échanger le tout et la partie, mais cela n'a que peu d'importance. Donc on cherche le prix de 7 melons. Quelle opération doit-on faire? On regarde les nombres qui se croisent en diagonale. Et que doit-on faire? On les multiplie. 10 fois 7, donc ça nous donne 70. Mais ensuite, que doit-on faire? On s'occupe du nombre qui reste, donc 4. Mais que doit-on faire avec ce 4? On divise par 4. Donc 10 fois 7 divisé par 4 égale 17,5. Quelle est notre phrase réponse? As-tu trouvé? 7 melons coûtent 17,50 €. Bravo! Maintenant, tu connais tout sur le produit en croix ou la règle de 3. À bientôt!